donc c'est une région qui couvre à peu près 150 hôtels. Aujourd'hui, d'une capacité à peu près qui dépasse les 65 000 lits d'hôtel. Gerber Zerzis constitue quand même 25 à 30% de part de marché au nombre de touristes de l'UIT, région que tout le monde connaît. À propos du tourisme local, notre région a besoin plus qu'il en faut d'une stratégie nationale à la khatera Bida à la Tunis. Donc il faut que la سياحة locale soit programmée à l'avance parce que Bida, parce qu'il faut, organiser son transport, il faut organiser sa réparation. Donc le tourisme local n'est pas uniquement l'hôtellerie, mais le tourisme local c'est l'hôtellerie, c'est les centres d'animation, mais c'est aussi la réservation d'avance, c'est aussi le transport pour arriver. On peut venir soit par sa voiture personnelle, soit par l'avion, soit aussi il y a maintenant beaucoup d'excursions en bus. Et du coup, puisqu'elle est loin, donc c'est pas des, on ne peut pas faire des séjours de moins de 3 jours. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à visiter. Et depuis l'année dernière, ça commence à prendre de l'ampleur. La stratégie locale, mais c'est réalisé ma barche à Wacht. Gerba aussi, cette année, va connaître le développement du marché russe, qui est important parce que le marché russe connaît le continent, ne connaît pas Gerba. Et Inch'Allah aussi, on arrivera à développer le marché algérien parce que c'est le. Il n'y a pas de désert, aérien, mais Bintoun Souedze. L'âme va être très difficile, plus difficile que 2015. Les réservations d'avance sont aujourd'hui, la programmation aérienne est très modeste. Et je pense que maintenant il faut travailler beaucoup plus sur le secteur et non pas la saison. Donc pour le secteur, il faut trouver des programmes de rénovation. Il faut trouver des programmes de mise à niveau pour commencer à avoir des reprises à partir de 2017 et peut-être 2018-2019. 2016, le tourisme local, on essaie de le structurer avec les agences de voyage, avec les comités d'entreprise, mais il y a une stratégie, on commence à la faire. C'est pas évident, mais c'est, on essaye. On compte beaucoup sur le marché local pour un peu faire un peu bouger les choses, mais il ne faut pas s'attendre que ce soit une année. C'est une année qui sera très très difficile comme prévu. La consommation du tourisme, dans le sens, c'est les. Il faut l'encadrer, il faut qu'il réserve d'avance, il faut qu'il paye une petite avance, il faut qu'il programme. Le consommateur local, mais il sait quelle est la date qu'il marche fait. Il doit savoir la date, il négocie de suite et il fait sa recherche pour trouver les meilleurs prix. Tous, il dit qu'il reste à la dernière minute, et la dernière minute, c'est pour ça que les prix sont très chers. Mais tous, ils doivent apprendre la consommation, tout ça, c'est en train de venir. On est en train d'assister, mais c'est en train de venir.